C'est bon ? Monsieur François, vous nous êtes le porte-parole du PDM. Il n'y a pas eu l'Assemblée générale ce samedi. Il y a juste une rencontre. On parlait un peu de la sortie de cette rencontre et des questions qui ont été débattues pendant cette rencontre. Nous avons tenu la rencontre autour de l'évolution du processus électoral dans notre pays. Nous avons d'abord fait le compte-rendu de la réunion de l'opposition qui a été tenue dans la semaine. Nous avons aussi fait le compte-rendu par rapport à la rencontre avec la francophonie. Vous savez, la francophonie a eu à rencontrer le bureau exécutif national du PDL au début de cette semaine. Donc nous avons partagé cette information avec nos responsables, nos différents militants. Et nous avons aussi discuté de la question, d'une question soulevée par nos structures de la CAS, question autour d'un certain nombre d'éléments concernant l'animation de leur structure, l'existence aussi de leur structure, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons aussi débattu d'autres questions relatives aux fédérations, notamment celle de COYA. Ensuite, vous avez suivi, on a reçu beaucoup d'adhésions, donc nous avons pris acte de ces adhésions. Nous avons remercié les différents adhérents. Nous venons de nous présenter un mouvement, le collectif des jeunes pour l'élection, des jeunes étudiants pour l'élection de France en priorité. Ensuite, un jeune est venu l'adhérer, n'est-ce pas, M. Cissé, qui a écrit sa lettre d'adhésion qui est à notre disposition. Et nous avons adressé nos remerciements et nos encouragements par rapport à sa décision d'adhérer au syndicat.